BX1+. L'invité de Fabrice Grosfillet. Voilà, notre invité est aussi membre de Défi. Notre invité suivante, notre invité politique, c'est Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Scarbeck. Concilier le développement économique, la mobilité, la qualité de vie et l'environnement. Est-ce que c'est encore possible dans une grande commune bruxelloise? Ah, je le veux, en tout cas. Oui, c'est évidemment, effectivement, très important de pouvoir faire de nouveaux quartiers qui répondent aux enjeux de demain. Et donc, une ville verte, une ville active, une ville où on habite et où on souhaite rester. Ouais. Je vous pose ces questions-là parce qu'il y a trois grands dossiers qui arrivent sur la table de l'actualité dont on a déjà parlé dans cette émission mais qui concernent tous les trois Scarbeck. Il y a l'avenue Louis-Bertrand qui va être rénovée et il y a les projets d'aménagement directeur du quartier Mediapark, hein, donc c'est le quartier autour de la RTBF et de la VRT, et la friche Josaphat dont on a également beaucoup parlé. On va peut-être commencer par l'avenue Louis-Bertrand, si vous voulez bien. C'est quoi le projet et pourquoi est-ce qu'on doit abattre des arbres dans cette avenue qui est quand même une des plus belles de Scarbeck? Alors, c'est même une des plus belles de Bruxelles, j'ose le dire. Cette avenue est magnifique, en effet. C'est un patrimoine extraordinaire. C'est un axe aussi un peu structurant de ce quartier-là. Cela fait très longtemps qu'il faut rénover cette avenue. Et donc, en effet, nous avons un projet global qui, entre autres, prévoit l'abattage des platanes. Il faut savoir que ces arbres ne conviennent pas du tout à des avenues, certes ici larges, mais dont on ne veut pas non plus cacher les façades. Nous devons toutes les années, voire tous les deux ans, les élaguer très très fortement. Ce sont des arbres qui sont aujourd'hui susceptibles d'avoir plusieurs maladies. Certains, ça, les signes montrent, mais donc il y a des maladies qui se développent sur ces platanes. Et par ailleurs, ce ne sont pas des arbres qui accueillent une très grande biodiversité. Donc le souhait est aussi de pouvoir les remplacer par des arbres avec une plus grande biodiversité. Donc il y aura autant d'arbres dans le projet futur, mais avec des essences différentes ? Il y a un peu moins d'arbres, on parle de 108, si je me souviens bien, platanes, à une 70 et quelques, mais avec une couronne plus large, et surtout des arbres qu'on ne devra pas élaguer, donc qui seront verts plus vite également, et qui attireront aussi une diversité différente. Quelle sera la place de l'automobile, la place des piétons, la place des cyclistes dans ce projet? Parce qu'on a entendu l'ARO, hein, donc Association de Recherche Urbanistique, mais aussi des militants cyclistes, s'étonner un petit peu de ce que vous aviez prévu. Donc il faut savoir que Scarbeck s'est inscrit pleinement dans Good Move, et que ce quartier-là, au sens très très large, sur cette grande partie de Scarbeck, nous sommes en train d'étudier les projets Good Move, qui permettront d'apaiser cette grande maille et les sous-mailles. L'avenue Louis-Bertrand en fait partie. Et il y a donc différents projets dans tout ce quartier qui vont amener effectivement à un meilleur partage de l'espace public. Quand on parle de mailles, hein, c'est des plans de circulation par quartier. Si et donc ça veut dire que c'est souvent des boucles de circulation avec des sens interdits qui sont mis en place. Hein. Avec à l'intérieur de cette maille ou de ce sous-quartier, effectivement, des quartiers vraiment apaisés. C'est bien l'objectif pour l'avenue Louis-Bertrand. À partir du moment où on a un quartier apaisé, ça veut dire aussi un partage de l'espace public pour l'ensemble des usagers et donc des vélos qui se trouve aussi sur la voirie. Et donc, par rapport à ça, c'est un premier point. Mais donc, il y aura une piste cyclable séparée où elle sera sur la voirie et mélangée avec les voitures? C'est dans la voirie, comme on le fait dans bien des axes où on est à du 30 km/h et depuis presque 3 ans maintenant à Scarbeck. Et donc, pour nous, il y a toujours des équilibres à trouver. Dans ce quartier, nous diminuons 10% le stationnement. Donc il y a une réduction du stationnement. Certes, pas comme certains le voudraient, mais il y a différents enjeux et un équilibre à trouver. Nous avons aussi un quartier très très dense, des projets autour de cette avenue qui vont aussi amener une diminution du stationnement. Donc venir dire qu'on n'a pas d'ambition à Scarbeck, je trouve ça vraiment un peu fort de café. Donc on vous fait un mauvais procès. On l'a pour les enjeux urbanistiques et de mobilité. On l'a aussi au niveau de la biodiversité avec un système de gestion de l'eau qui sera à la pointe au niveau de l'avenue Louis-Bertrand. Ouais, donc on vous fait un mauvais procès quand on dit Scarbeck ne s'occupe pas assez de mobilité douce et Scarbeck veut raser ses platanes. Je pense qu'on a montré ces derniers temps effectivement qu'on avait de l'ambition par rapport à ça et par rapport aux platanes, on nous a fait le même procès avenue de Molder et maintenant les habitants sont très très heureux du choix qui a été fait. Dernière question, il y a le bar du Gaspi tout en haut de l'avenue Louis-Bertrand. Il a changé de couleur, il reste dans la couleur qu'il a choisie maintenant ou on lui demande de revenir en arrière? Non, j'ai immédiatement réagi et je ne suis pas la seule et malheureusement pour eux, mais donc un procès verbal
a été établi. Il est hors de question qu'avec l'environnement de trois gros, beaux bâtiments classés, oui, plus l'avenue, on puisse faire ce genre d'intervention. Donc voilà pour l'avenue Louis-Bertrand, hein, qui est une avenue effectivement où il y a beaucoup de maisons et de façades Art Nouveau. Ça va de la chaussée d'Acte au parc Josaphat, pour ceux qui ne connaissent pas Scarbeck. Il y a deux autres gros dossiers, c'est Mediapark et la Free Josaphat. D'abord Mediapark, donc il y a la nouvelle mouture du plan d'aménagement directeur qui est apparu. Il y aura des immeubles de moins haut gabarit et avec un petit peu moins de logements que ce qui était prévu dans la première version, et plus d'espaces verts. Les riverains ont déjà fait part de leur satisfaction, le comité de quartier notamment. Est-ce que la commune est satisfaite aussi? Écoutez, oui, puisque ça répond à une moindre densité, à plus d'espaces verts en effet. Un regret cependant quand même, c'est qu'on n'est toujours pas dans une vision globale de ce site. C'est un site important qui borde le boulevard Reyers, à proximité de la place Mézère, avec le projet Parkway, et on ne connaît toujours pas correctement les articulations qu'il y aura autour. Et donc ça, c'est vraiment un regret depuis le début. Ça veut dire quoi? Notamment l'arrivée globale de l'autoroute au 40, des choses c'est de ce genre-là. C'est la manière dont effectivement les aménagements vont se faire à l'arrivée de l'autoroute. Ça veut dire aussi l'aménagement pour la place Mézère, même si j'ai une réunion avec la ministre Van den Brandt prochainement à ce sujet. C'est surtout aussi tout le traitement définitif du boulevard Reyers et de ses traversées. Donc depuis toujours, la commune réclame qu'il y ait des articulations claires, aussi pour traverser le boulevard. Mais pour le projet lui-même, plus d'espace vert, moins de densité bâtie, un bon équilibre aussi entre les logements publics et les logements privés. Donc voilà, et on en parlait tout à l'heure, vous l'avez dit en introduction, cette volonté d'avoir une ville verte, mais une ville aussi active, avec des habitants, des équipements, et du logement et des équipements accessibles. Ces nouveaux quartiers de ville doivent répondre à ce qu'on souhaite pour l'ensemble de notre capitale. On va devoir le refaire, le rond-point Mézère? Alors, il y a différents projets sur la place Mézère, mais vous savez, ça fait 30 ans, une trentaine d'années ouais, qu'on en parlait, donc Scarbeck désespère. On avait même prévu d'enterrer les trams. Exactement, ouais. Scarbeck désespère d'avoir enfin un projet sur cette place. Et donc ça dépend de la région, important. Pour l'instant, les oui, négociations sont toujours en cours. Oui, nous sommes en discussion et on a une réunion prochainement. Alors, troisième gros dossier, c'est la Free Josaphat, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'agitation et aussi beaucoup de déclarations politiques. Votre intérêt, vous, la commune, à la Free Josaphat, c'est quoi? On doit avoir des logements, on doit avoir des équipements, hein. On sait qu'il y a un projet d'Athénée, mais on doit avoir moins de logements que ce qui était initialement prévu. Alors, d'abord rappeler que la commune a remis un avis défavorable sur le premier projet il y a déjà un certain temps. Donc il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que Scarbeck n'était pas satisfait du projet tel qu'il était présenté. Pourquoi? Parce que trop de densité, problème de mobilité, pas assez d'attention à la biodiversité, des espaces verts trop morcelés, voilà les différents points. Donc nous espérons qu'effectivement les enjeux vont aller vers moins de densité, ce qui veut donc dire moins de surface bâtie et moins, donc aussi probablement moins de logements, ce qui par rapport à la mobilité était un enjeu aussi, et surtout des espaces verts qui soient plus cohérents, pas morcelés comme ils l'étaient. Donc... Même si la région bruxelloise a quand même besoin de logements et qu'on a annoncé qu'on allait pendant cette législature-ci construire des logements, y compris des logements sociaux. C'est bien pour ça aussi que Scarbeck a toujours confirmé que nous maintenions notre souhait d'avoir un projet avec aussi un nouveau quartier, donc de ne pas être dans le retour total à une friche, voire à une réserve naturelle, mais de quand même faire des constructions. Parce qu'il faut cet équilibre entre espace vert et nature, mais aussi il nous faut du logement. Et ces logements, ils doivent se faire aussi dans des zones comme celle-là, et pas seulement en surdensifiant des quartiers déjà très très denses. Et je ne dois pas vous expliquer qu'à Scarbeck, on a des quartiers qui sont très 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 denses, trop denses, avec plus de capacité d'encore y ajouter des logements. On sait que c'est un débat très très politique, la Free Josaphat. On a vu le mouvement réformateur se positionner sur ce terrain. On a entendu aussi un certain nombre d'élus écolos intervenir très fortement sur ce terrain. Un de vos échevins, Vincent Van Helleweyde, et puis la coprésidente du parti, Raja Mawan, également. Est-ce que les Verts sont des partenaires loyaux sur cette question-là, pour vous? Alors, en tout cas, au niveau du PAD Josaphat, je peux confirmer que nous sommes en accord avec notre partenaire écolo, qui est donc... l'écolo Vincent Van Helleweyde, et donc au niveau en tout cas de la commune, la position est claire, c'est-à-dire le maintien d'une urbanisation, mais moins importante, répondant mieux aux enjeux de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est pas, l'environnement, c'est pas uniquement la biodiversité, c'est aussi un meilleur traitement des eaux usées, c'est aussi une diminution du stationnement dans le site. Donc il n'y a pas de malaise dans la majorité autour du projet Josaphat? Non, nous sommes d'accord, et je vous le dis, on a partagé un avis défavorable, et nous sommes aujourd'hui, nous avons été concertés un petit peu avec la région. Il n'y en a pas non plus autour de l'avenue Louis-Bertrand?
Et pour l'avenue Louis Bertrand, et Vincent Vallat-Le-Wayne l'a répété aussi, il considère toujours que c'est un bon projet. Alors, une toute dernière question, Cécile Jodogne. Il y a un gros débat, vous le savez, autour de la neutralité dans les services publics. Il y avait un groupe de travail qui a été mis en place à la commune de Schaerbeek pour réfléchir justement à un changement peut-être du règlement de travail à la commune. On sait que maintenant, il va y avoir un débat au Parlement régional. Mm-hmm. Est-ce que le groupe de travail schaerbeekois est maintenu ou est-ce qu'il est plus sage d'attendre le résultat des discussions régionales pour les adapter ensuite au niveau communal? Alors, d'abord, se réjouir que ce débat soit maintenant pris en main au niveau de la région, ça n'a pas de sens que une école toute seule avec sa direction, une entreprise toute seule, son chef d'entreprise avec son règlement de travail, et une commune toute seule dans une région ne doivent prendre ce genre de décision. Je pense qu'il était vraiment temps que ce débat se place au niveau, au minimum de la région. Il pourrait même être au niveau fédéral, mais en tout cas de la région. Donc je me réjouis. Donc ça veut dire que vous suspendez le groupe de travail et donc, local. Nous, effectivement, il convient d'attendre maintenant de voir ce qui va se passer au niveau régional, parce que ça n'aurait pas de sens qu'à Schaerbeek qu'on avance tout seul, mais qu'à Watermael-Boisfort, à Forêt ou à Ixelles, il n'y ait pas de décision. Ces discussions sont des enjeux qui sont essentiels. Je suis aussi très heureuse que cet accord confirme le principe de la neutralité des services publics. C'est important pour le citoyen qui doit s'adresser aux services publics. Et donc ça veut dire, a priori, hein, l'accord politique tel qu'on le connaît, c'est pas de signe distinctif pour toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité ou en contact avec le public. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements au sein de la fonction publique à Schaerbeek. C'est ce qui va être discuté au niveau régional et au niveau du Parlement, et on verra ce qui en adviendra. Et il y aura certainement encore beaucoup de prises de position là-dessus. Et sans doute donc des aménagements dans les différents règlements. Merci beaucoup Cécile Jodogne. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la bourgmestre de Schaerbeek, qui est membre du Parti Défi. Merci d'avoir fait avec nous le tour d'horizon des gros dossiers d'aménagement à Schaerbeek, et on a vu qu'il y en avait quelques-uns quand même sur la commune. Merci à vous.